Ah! Il fait chaud, il fait beau, il fait bon. Je suis comme un cochon. Bonjour à tous, bienvenue sur Back Alive, le live où on fait du Octopath Traveler. On continue nos aventures dans le jeu magnifique que nous offre Square Enix sur Wii, sur Switch, oui. Je suis parti moi cet après. Hey, salut Alucard, bienvenue sur Back Alive, le live où on fait du Octopath Traveler, le jeu magnifique offert par Square Enix à la Switch. Du que wa? Du que wa quoi? Que wa bunga! Jeu magnifique. Non? Marche pas? Pourquoi personne me croit quand je dis ça? Je suis dans un état déplorable si vous saviez. Je joue à quoi? Je joue à Octopath Traveler. Octopus Traveler, si tu veux aussi. Et Docteur Octopus. Octopussy. Et tout ce que vous voulez. Et cet après-midi, nous allons commencer l'histoire de Primrose. L'histoire de la danseuse. Je l'ai enfin retrouvée. L'homme à la marque de corbeau, l'assassin de mon père. Excitant. Elle se nomme Primrose. C'est une danseuse d'ombrelle. Je suis tellement triste d'avoir dit ça. Désolé, j'avais l'impression que le jeu avait un décalage de son. La ville aux mille plaisirs, éternellement plongée dans l'ombre. Dépossédée de sa fortune après la chute de sa noble maison, elle travaille à présent dans une taverne victime des pires abjections infligées par Elganesh, son cruel maître. Elle endure cette vie dans l'unique but d'assouvir sa vengeance. Vengeance ! Un jour, il est apparu, un homme portant la marque du corbeau, l'un des trois scélérats qui ont assassiné son père. Avec l'aide de Lusfa, son unique amie, elle se précipite hors de la taverne en direction du labyrinthe souterrain. Il lui faudra l'aide d'alliés loyaux pour emprunter la voie qu'elle a choisie. Est-ce qu'on peut pas voir ce qu'elle fait dans sa vie? Sinon, comment tu vas, Lucard? Hier, vous avez fait une bonne petite partie de Resident Evil 5 avec la baronne, c'était cool. La foi est ton bouclier. Même quand l'épée est pointée contre ton cœur, devise de la maison, Alzelhard. La loyauté, ça te connaît. La loyauté, ça me connaît. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais plus. Il y a 10 ans. C'est amusant quand on y pense. Toute chose dans ce bas monde entre dans l'une des deux catégories bien distinctes. Les choses qu'il vaut mieux savoir et celles qu'il est préférable d'ignorer. Ça va, juste mal au casque. Je stream sans mon casque. Avec des écouteurs, du coup? Ça doit pas être terrible. Geoffrey Hazelhart. Je crains que vous ne vous soyez mêlé d'une affaire de la seconde catégorie. Je n'ai fait que suivre mes convictions. Je ne regrette rien. Je me doutais que vous diriez quelque chose de ce goût-là. Merci de me faciliter autant la tâche. Vérifiez qu'il est bien mort et partons avant qu'on nous voie. Sans rien? Et du coup, tu fais comment pour entendre le jeu? Ah, mais t'as coupé ton micro du coup?
Il est bien mort. Et il a pas vu la tête qui dépassait par-dessus le passe-plat. Jamais je ne l'oublierai. Trois hommes, portant chacun la marque du corbeau. Un sur le bras gauche. Un sur le bras droit. Et l'autre sur le front. Sur le cou. Ah d'accord. Ça explique pourquoi on le voit pas aussi. Trois hommes. Trois charognards, comme l'oiseau dont ils portent la marque. Ils m'ont pris mon père. Et ça, jamais je ne l'oublierai. Pour le moment, je ne fais que du crabe, donc pas grave. Ah, pas grave, c'est un peu dommage, mais bon, après, si t'as mal au crâne, de toute façon, vaut mieux pas. Hein. Faut pas forcer les choses, quoi. Hier, j'allais pas bien, j'ai pas joué, tu vois. Chacun son truc. Ah. Toujours le même cauchemar. J'ai envie ton assurance, Primrose. Je serais bien incapable de somnoler juste avant de monter sur scène. Parce que tu t'entraînes pas assez. Ça doit être sympa d'être la chouchoute du maître. Mais quelle main bêche celle-là. Elle fait comme si tu vaux mieux que nous, hein? Ouais, voilà. Connasse. Voilà. Tu n'en restes pas moins une danseuse parmi tant d'autres dans ce désert, Primrose. Rien de plus qu'une femme entretenue qui ne sert qu'à flatter l'orgueil des hommes payants pour s'offrir ce privilège. Tu as sûrement raison. Chut, assez bavardé. Maître Helgenich arrive. Oh, lui, il a l'air méchant. Vous croyez que je vous nourris que pour vous passer votre temps à jacasser dans les coulisses, les clients attendent leur spectacle. Le premier numéro devrait déjà avoir commencé. Alors dépêchez-vous de monter sur scène. Quelle bande de bécasses inutiles. Et toi alors, va danser. Sauf toi, Primrose. Tu es la seule sur laquelle je puisse compter. Vous me flattez, maître. Oh, si peu. Après tout, cette taverne a vu sa clientèle décuplée depuis ta première apparition. Mais il ne faudrait pas que tu oublies ta place. C'est moi qui t'ai préparé pour ce rôle. Et je vous en serai éternellement reconnaissante, maître. Tu n'étais qu'une fillette ingénue quand je t'ai récupéré, totalement inutile. Je t'ai appris tout ce que je sais. Et tout ce que tu sais. Mais où est donc passé ton adorable sourire? Bah, c'est sûr que tu lui mets une claque, elle va moins sourire, quoi. Il t'a donné le vivre et le couvert. Il t'a acheté des bijoux qui rentrent au joli cou. Qui a fait toi la danseuse la plus sollicitée de cette ville poussiéreuse? Moi et personne d'autre. Tu as une dette envers moi, chaton. Et je veillerai à ce que tu t'en acquittes. Oui, maître. Parfait. Si tu ronronnes comme ça, tu auras peut-être droit à une friandise. Un peu de viande dans la bouche. Ne traîne pas quand tu auras terminé ton numéro, je t'attendrai dans ma chambre. Tu ronronneras pour moi cette fois. J'aime quand tu me parles comme ça. Primrose, c'est à toi. J'arrive.
Allez, chaton. Tâche de faire pas le fig. Oui, mais... Mais je sais où elle est la taverne, moi. Elle est là, tout droit. En même temps, vous l'avez mis si loin, la maison des danseuses. Il fallait qu'elle soit collée, sinon c'est pas drôle. Tu en as mis du temps, Primrose. Je me recoiffais. J'espère que ça en valait la peine. Tu es notre meilleure chance d'avoir de quoi manger ce soir. Et les clients s'impatientent. C'est parti! Et voilà pourquoi tout le monde est triste que ça soit pas au full HD, parce qu'il y a une danseuse à moitié à poil. Voilà, c'est tout. Veillez sur moi, père. Veillez sur moi. Ce jour-là, j'ai juré de me venger de ceux qui ont arraché à moi les trois hommes à la marque de corbeau. J'ai quitté la demeure familiale pour suivre leur piste. Une longue piste qui m'a emmené ici. J'ai appris que l'un d'eux faisait souvent halte dans cette ville. Ce n'était qu'une lueur d'espoir, mais je n'avais rien d'autre. Jusqu'à ce que je trouve, je suis prête à endurer les pires abjections. Perdre mon honneur ne sera jamais aussi douloureux que la vie sans vous, père. Père, je ne reste cesse de que je retrouve ces trois hommes. Alors jusqu'au jour où ma vengeance sera assouvie, je danserai. Enfin, quand le mec va te tringler dans sa chambre juste après le spectacle, je pense que t'auras un peu mal quand même. Je crois que je t'aime, Primrose. Yeah. Hmm. Papa, papa, je vais jouer dans une pièce de théâtre. Je serai la princesse et tout le monde me regardera. Il viendra me regarder aussi, hein. Ah. Sauf une fois au chalet. Bien sûr, ma chérie. Merci beaucoup, monseigneur. Monseigneur, tu l'appelais pas papa il y a 5 secondes. J'ai hâte. Et devine quoi, papa, quand je serai grande, je serai une belle danseuse, la vedette de la scène. Une danseuse? C'est un rêve qu'il vaut mieux oublier. Pourquoi papa? Elena, ma chérie, tu veux devenir une dame distinguée quand tu seras grande, n'est-ce pas? Comme la princesse de ta pièce. Alors il vaudrait mieux éviter de dire ce genre de choses, surtout dans cette ville. Pourquoi c'est mal de danser? C'est tellement amusant. Elle est si belle. Bonjour petite. Cora. Viens Elena, par ici. Entrons à l'auberge. Que je te mette au lit. Papa a des affaires à régler ce soir.
Ara, ara. Daijoubu? Oh, les petites putes. Yusuf. N'est rien, j'ai l'habitude. Ikagen ni shinayo. Vous ne croyez pas que vous allez trop loin? Ça vous réagit à ce point que les autres souffrent? Bande de méchantes. On est toutes logées à la même enseigne. Toutes les jouets du maître. Et on sait ce qui arrive aux filles qui le contrarient. Est-ce que vous l'aurez déjà oublié? Rouée de coups et jetée dans le caniveau, laissée pour morte, malade et affamée. Yameteo. Ça suffit. On est toutes parfaitement conscientes de notre situation. On sait de quoi il est capable. Chotto. Alors pourquoi tourmenter l'une des nôtres? Yusufa. Merci, Yusufa. Tu n'as pas à mettre les autres à dos pour moi. Oui. Pourquoi diable vous entends-je miauler ainsi? Rentrez vos griffes et allez, feu de soleil. Vous croyez que l'argent apparaît dans mes caisses comme par magie? Allez récupérer vos pourboires. À toi, Primrose. Primrose. Qu'est-ce que c'est que ce lamentable spectacle que tu nous as donné? Je crois que je suis aveugle. Il m'a suffi d'un seul coup d'œil pour me rendre compte que tu avais la tête ailleurs. Eh oui, je vois toutes les pensées qui traversent ta jolie petite caboche. Et ce soir, tu ne pensais pas à tes pas de danse. Ika. Tu n'as pas oublié ta dette, j'espère. Tu n'as pas oublié à qui tu appartiens. Tu es consciente du sort qui t'attend si tu oses me défier, n'est-ce pas, chaton? Je t'avertis parce que je tiens à toi, Primrose. Je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose de fâcheux à ma vedette. Oh. J'ai tellement envie de l'agresser. Petit coup de dague là dans la nuque. Il rigolerait moins le mec. Moi aussi je repense souvent au jour où tu as frappé à ma porte. Rien que de t'imaginer danser pour moi, si douce et innocente. Cette perspective me délectait tant. Et tu as su combler toutes mes attentes. Tu es devenu mon meilleur investissement. Mais aujourd'hui, tu m'as contrarié. Il va donc falloir que tu te fasses pardonner. La taverne est guère remplie ce soir. Va donc faire un tour dans la rue et ramène tes clients. Des clients assez riches pour couvrir les frais de la semaine. Si tu y parviens, je me montrerai peut-être clément. Enfin, dans la mesure du raisonnable, chaton. Hi. Vous êtes trop aimable, maître. Bravo, Prime. Tu es la meilleure actrice que je connaisse. Comment tu as fait envie de vomir chaque fois que je dois l'appeler maître? J'ai vomi, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé récupérer tes pourboires? Je m'inquiétais pour toi. Comment va ton pied? Quoi? Tiens, serre-toi de ça. Un mouchoir? Ça devrait au moins arrêter le saignement. Mm-hmm.
Ce jeu de la prostitution, quoi. わかりました。 Ce bar d'escorte quoi. 失礼いたします。 失礼いたします。 またな。 La marque du corbeau à gauche, c'est celui qui était en haut à droite. C'est pas lui qui a tué mon père, mais il y a participé. Bien sûr que non, voyons. Oui, oui. Ika. Wakaru na. Sonna. Primrose. Né. Il y a une porte de derrière à l'étage. Je suis monté, je l'ai pas vu. Atashi. Ce qui est énorme, c'est qu'ils ont tous tellement bon cœur, quoi. Ils sont tous tellement... Je sais pas comment expliquer. Les héros, ils sont tous héroïques. Même la danseuse prostituée, finalement, c'est... Enfin, voilà, quoi. C'est pas qu'une... C'est pas qu'une danseuse prostituée, quoi. Il parle avec mon maire. Je peux compter sur vous pour m'emmener les femmes dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Les subalternes compétences se font tellement rares de nos jours. C'est désespérant. Je vous assure, Milord, je fais tout mon possible pour... Elganesh, nous sommes amis, n'est-ce pas? Les amis se soutiennent mutuellement, non? Ils ne se déçoivent pas. Pas de soucis. Je ferai ce que vous voulez.
promis. On fera les bisous. J'ai vu une belle danseuse en ville, ce genre de fille me plaît beaucoup. Apportez-la moi. Amenez les femmes à l'endroit indiqué sur la carte et tâchez de ne pas me faire attendre, c'est bien clair? Oh oh. Hey. Très clair, Milord. Voilà. Il faut qu'on parte à la poursuite. Mais t'es parti sans moi? Bon alors, comment se gère notre petite danseuse? Elle a une dague. On va voir si on peut lui mettre mieux. 132, c'est mieux. Croix, c'est mieux. Le gilet de fer est bien. On va lui mettre un peu d'esquive. Ça peut pas faire de mal. Merci à Lucard pour le riost et aussi pour le message sur Twitter. Ah, on peut la prendre, c'est cool. Vitalité. Révélation Alphéane. Pendant 3 tours, les sorts à cible multiple d'un allié se concentrent sur une cible. Hein ? Pas logique. Du coup, à la danse du lion, les puissances de l'attaque physique d'un allié augmentent de 2. Inflige d'importants dégâts d'ombre. Ah, c'est cool ça. Régénère les PV du personnage à chaque tour. Du coup, c'est une pseudo-magicienne. Bon, on va voir ce que ça donne. Fait tellement chaud dans ce pays de mer. J'ai tellement chaud que j'en transpire de l'arrêt des fesses. Pourquoi je sauvegarde une deuxième fois alors que je viens de sauvegarder? Ok, une idée. Très très sympa ce petit temple. J'arrive pas à dire si c'est en haut ou en bas du coup. Voilà. J'aime pas quand je sais pas. Luminescence. Et quel poète? Quel poète tu veux dire? Mais à quel sujet? Le rebond. Parfait, un tour. Il faut qu'elle monte au moins niveau 12 ou 13, je crois. Et quelle pouette! Je sais. Beaucoup d'aspiration dans tout ça. C'est tellement horrible. Putain. Il y a plus genre 4 secondes cet après-midi. Quoi.
Pas ce matin. Indignation. Le mec, à chaque fois qu'il attaque, il gagne 107 points de vie, quoi. Cette aptitude de dingue. La parade du pan. La fille peut augmenter les dégâts élémentaires. Genre, je lui balance ça à mon mage. Oh, on va faire des indignations péter du cul. Et comme tout le monde le sait, l'électricité plus de l'eau égale beaucoup plus de puissance. Et du coup, ça rocks. Et les gars, je suis buffé. Aïe! Les gars, un petit peu de régène. Ce qu'il faudrait, c'est de la régène pété des points de technique, donc la mana. Une pierre d'ombre pour lancer un sort d'ombre dans une cave sombre et humide et chaude. La parade du pan. Indignation. Désolé, je suis à portard. Non, mais là. Alors, je veux bien qu'on soit dans un petit jeu rétro, mais ils auront au moins pu la faire tourner sur elle-même en mode elle est en train de danser, quoi. Et là, elle lève le bras et hop, la magie part, quoi. Maka, t'es toujours en train de te plaindre. Eh, mais il faut se plaindre. Aimer un jeu, ça veut pas dire excuser toutes ses failles. Le rebond.
Elle a fait une première attaque et son arme a rebondi et hop, ça a fait une deuxième attaque. Mais Baka, elle a tiré à l'arc. Oui, mais parce que Cole a lâché la flèche comme ça, il y en a une deuxième qui est apparue dans sa main, la corde est revenue, elle a tiré la deuxième. Magique, quoi. Le rebond. Oh, elle est toute petite, la caverne. Indignation! Vous me dérangez. C'est la papaya, c'est la papaya. Papa le papa le papa. かかってこい. Non, définitivement, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas fait une toute petite animation quand elle fait sa magie, quoi. Ça mange pas de pain. Je me rappelle plus si la zone elle est level 11 ou 12. Level 12. Il n'y aura pas eu beaucoup de coffres, rien. C'est un peu la déception quand même. Indignation! J'aurais été toi, j'aurais fui quand même. Je veux dire, on va te retourner la tête là, serpent. Quoique t'es peut-être un lézard en fait, t'es peut-être pas un serpent. Bon, je propose qu'on essaye un game over pour que Lucard soit content. Bah ouais, mais si tu sais que ça va pourrir ta partie, mais les pas, Lucard, arrête d'être con. Je veux dire, sois raisonnable 5 secondes, quoi. C'est pas mon genre. Ouais, je sais que c'est pas ton genre, mais quand même, quoi, à un moment, sois raisonnable. Allonge d'un tour la durée des effets bénéfiques que les personnages appliquent à... Oh oui.
Heist. Pense à mettre une sauvegarde sur une clé USB quand même. Je me rappelle la dernière fois ça avait corrompu ta sauvegarde. Donc pense à sauvegarder une fois sur une clé USB. Je sais pas si on peut le faire sur Xbox. Je sais, sur PlayStation on peut. Ce gâchis de bruit. Il va m'échapper, pas question. Je peux savoir où tu vas comme ça, chaton. Maître Algalnesh, que faites-vous ici à cette heure tardive? Il fait soleil. Justement, parlons-en. Cette minette ne mérite que la gouttière, mais elle s'est montrée assez aimable pour m'aider à attraper une souris. Elle était déterminée à tenir sa langue. Heureusement que mes hommes sont parvenus à la lui délier. Je suis méchant. Je crois que j'ai été trop indulgent envers elle. C'est une erreur que je ne referai pas. Non. Fils de... Je vais le tuer. Je vais le tuer. Team Red Blood. やめさせてもらう。ほう。心変わりしたのはあの男が来たか。ええ、そうよ。なんだその口は。このメスが誰のおかげで生きてこれたんだ。決まってるわ。自分の足で踊ってきた。 なんだと? じゃあ、シータ。そして今日、ようやく仇の男が現れた。もう、あなたの下で踊る必要もなくなったわ。プリムロ、今ならまだ許してやろう。 全ては嘘だという。支配人様の困る顔が見たかっただけというなら。
その汚い口を閉じ、いつものようにわしを満足させれば、すべては。わしを噛んだ猫はすべて始末してきた。そこ、それのプリムロゼ、お前はとっ、quel gâchis ! もったいない。今まで散々お世話になったわね。Ouais, mais avant, t'avais pas autant de copains sympas comme moi. Qu'il est mignon ! Du vent ? Ah merde. On va commencer par ça, tu vois ? なかなか考えがいがある。じゃあ、はい。C'est pas l'électricité。私の出番だな。Alors lui il craint l'arc, ça c'est cool。行きましょう。Je pense que d'une façon ou d'une autre, ils doivent craindre l'ombre.Vu qu'elle est LSP ombre. Le pari est passé. My god, tu bossais pour lui. Ouais, Primrose bossait pour lui. Elle faisait la pupute. Mes yaourts, tu m'as volé mes yaourts. Peut-être le feu. Makemasen.